Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. En début de week-end, vous avez pu découvrir l'édition 2015 du WTCC qui fait son entrée dans Race Room, mais ce n'est pas la seule nouveauté. Un circuit de légende, pourtant jusque-là absent, débarque. Il s'agit de la Nordschleife. C'est avec 4 différentes configurations du circuit que vous pourrez vous amuser. La première, l'édition touriste avec laquelle vous démarrez dans la grande ligne droite de retour de la boucle nord. Et l'édition VLN où vous empruntez une partie du circuit F1, celle qui est actuellement sous vos yeux avec les voitures du groupe 5. La version 24 heures qui emprunte elle l'ensemble du circuit F1 plus la Nordschleife. Et enfin la version Nordschleife simple qui est la version historique. Ces 4 pistes vous sont proposées sur le store de Race Room que vous pourrez retrouver dans la description et vous devrez débourser 999 VRP, l'équivalent de 9,99€.
Ce que vous voyez à l'écran sont mes premières runs sur les versions de la Nordschleife que je connais bien pour les avoir utilisées longtemps sur Air Factor ou encore GTR. Ici, on déboule dans la version nouvelle génération de la Nordschleife et il faut se l'admettre, c'est la version la plus agréable que j'ai eu testée jusque-là. Les voitures ont également bien évolué. Pourquoi ? Parce que cette Nordschleife débarque en parallèle d'une mise à jour de Race Room dont je vais vous parler rapidement. Et bien maintenant, il sera possible d'augmenter en version multijoueur également la capacité des grilles de départ, passant ainsi de 24 à près de 50 voitures au départ. Attention, il vous faudra une bécane capable de faire tourner tout ça, et même moi avec ma belle configuration, eh bien vous voyez qu'il y a quelques petits ralentissements alors que beaucoup de voitures sont affichées sur la piste. We'll be right back.
Au niveau des améliorations physiques, c'est surtout du côté du touring car qu'il faudra se tourner avec la version WTCC 2015, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo découverte de cette mise à jour. Les physiques des transmissions ont été complètement revues, l'affichage du HUD également a évolué et on découvre un race room tout neuf, tout beau, avec de nouveaux arguments qui peuvent le faire peser dans la lutte pour la meilleure simulation. Race room a longtemps été boudé par moi-même, vous pouvez retrouver même quelques vidéos rage datant d'il y a quelques mois. Et bien, depuis la première mise à jour du 20 octobre 2015 et avec cette nouvelle mise à jour, le jeu prend une toute autre dimension et on va commencer à vouloir débourser quelques deniers dans le titre des développeurs suédois de Sector 3, ex-Simbim. Rappelez-vous, c'était eux qui nous avaient pondu les GTR, les Ray 07 et les GT Légende. Et force est de constater que les gars font du recrutement, puisqu'il y a eu quelques demandes faites sur internet pour quelques postes à pourvoir et ça a l'air de bien fonctionner jusque-là. Et l'équipe continue de faire évoluer son titre avec la venue prochaine de plusieurs disciplines. La Formula Junior, qui est l'équivalent de la Formule Ford, de la Formula 4 Tatus, et d'autres choses. On attend la Bentley Continental GT3 pour la DAC GT 2015. On attend aussi beaucoup d'autres voitures, l'Audi TT VLN également. Donc tout cela devrait suivre dans les mois à venir. Pour l'heure, on va continuer de se faire plaisir avec ces quelques plans de la Nordschleife. Restez attentifs puisque tout au long de la vidéo, vous aurez quelques petits tips sur les évolutions du jeu. Et entre deux, n'hésitez pas à monter le son pour profiter un maximum de ces voitures du groupe 5 ou GT3 qui évolueront en piste.
bien voilà, c'est avec ces quelques plans de la lutte en GT que nous allons nous laisser. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo découverte de la Nordschleife. Il y aura encore quelques onboard qui vont traîner dans les jours à venir avec différentes disciplines présentées, notamment la monoplace et le WTCC et le DTM. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de suivre cette nouveauté pour Race Room. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos. Merci les amis, à bientôt en piste, bon amusement, ciao.